Nouveau concept de vidéo aujourd'hui puisque je vais tester des jeux que j'ai récupérés en vide-grenier. Et là le premier c'est Metal Slug 5. Donc on va voir si je vais réussir à le finir ou faire une partie peut-être jusqu'à ce que je perde. Hein. Si je perds que c'est fini, c'est game over, j'arrête le jeu. Mais par contre, si j'ai pas de game over, je continue jusqu'au bout. Donc c'est Metal Slug 5, fait par SNK Playmore. Il est sorti sur Neo Geo et là. C'est sur la PlayStation 2. La boîte est nickel, le jeu est nickel. Regardez-moi ces graphiques, comme c'est beau. Et bien vous allez les voir en vrai tout de suite. C'est parti!
listen, complete.
Mission complete. Yeah!
Mission complete. Okay.
you. Okay. Mission complete!
Machine gun.
mission complete. Mission all over. Et voilà, c'est fini ce let's play, j'ai réussi à finir ce jeu. Donc, j'ai bien galéré parce que j'ai dû refaire à plusieurs reprises hein, la vidéo parce qu'il y a eu des problèmes. J'avais mal encodé le fichier, c'était un fichier MKV donc ça passait pas sur YouTube. J'ai dû refaire une partie parce que j'avais la flemme de MP4, tout ça convertir, ça me faisait chier. Donc j'ai décidé de tout refaire d'un coup et j'ai réussi à finir le jeu en une seule fois. Comme ça, c'est un let's play complet. Du coup, merci d'avoir regardé ce let's play sur Metal Slug 5. La prochaine vidéo, ça sera sur un jeu que j'ai récupéré en vue de grenier. Peut-être dans le prochain, prochain vue de grenier live, peu importe. Dès que je vois un petit jeu et que j'ai envie de le faire, je le fais. Et je le fais partager avec vous. J'espère qu'en tout cas, le jeu Metal Slug 5 vous aura plu. Vous pouvez le trouver, comme je l'avais dit précédemment, sur Vinted pour une vingtaine d'euros. Voire moins si vous avez la chance de négocier le jeu pour pas trop cher. Donc du coup, on se donne rendez-vous pour le prochain Let's Play ou le vide-grenier live. Merci, ciao !